Vous aurez besoin du gabarit et il faudra le couper 4 fois, 2 fois pour l'intérieur et 2 fois pour l'extérieur. Deux morceaux de 9 cm sur 13. Une bande de 28 cm sur 8. Une fermeture à glissière de 45 cm et 4 petits morceaux de 3 cm sur 6. Deux bandes de 52 cm sur 10 et deux bandes de 52 cm sur 4. Deux dans le tissu extérieur et deux dans le tissu intérieur. Une bande de 86 cm sur 8. Une épingle à nourrice. Vous aurez besoin de thermocollants et j'utilise celui-ci. Toutes ces parties sont à thermocoller. Je commence par préparer ma poignée en repliant 1 cm de chaque côté et je replie en deux. Et je vais piquer à 1 mm de chaque côté. Je reprends une des parties extérieures, je plie en deux dans le sens de la longueur pour marquer le milieu et je viens y placer ma poignée. Et je viens la piquer de chaque côté à 3 mm. Je reprends la bande de 86 cm, je la plie endroit contre endroit et je vais coudre sur toute la longueur à 5 mm du bord. Une fois piquée, on va retourner la bande à l'aide de l'épingle à nourrice. La mettre bien à plat et lui donner un petit coup de fer. Je prends la bande de 52 cm sur 10, la partie intérieure, et je vais marquer le milieu. La bande que je viens de repasser, je marque également le milieu. Je fais correspondre mes deux repères et je place ma bande bien au centre. Je l'épingle et je vais épingler également les extrémités de chaque côté. Comme ça. Ça donne ceci. À partir de l'épingle du milieu, on vient placer des épingles uniquement sur la bande ici, tous les 7 cm. Et on vient ensuite épingler notre bande sur celle-ci, tous les 4 cm, pour former ceci. Je l'épingle et je vais épingler également les extrémités de chaque côté. Comme ceci. Et il faut faire une piqûre à l'emplacement de chaque épingle. J'ai d'abord piqué les extrémités pour les maintenir et maintenant je vais piquer à l'endroit de l'épingle. On enlève l'épingle. Que ce soit résistant avec le temps, il faut à chaque fois piquer deux fois. Donc je fais un point en avant et une marche arrière complète. On va préparer la fermeture à glissière
en assemblant les petits morceaux de 3 cm sur 6 aux extrémités, donc endroit contre endroit, et on pique sur la largeur. On vient assembler la fermeture à glissière avec les deux morceaux de 52 cm sur 4, endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur, et on recouvre avec la doublure. Il faut piquer sur toute la longueur. Et on change de pied presseur. On ouvre, on égalise et on assemble l'autre côté de la fermeture avec la partie basse, donc la partie de 10 cm. Et pour finir, on va faire une surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. On va assembler nos deux morceaux de 9 cm sur 13. Donc on place celui qui va en dessous, tissu endroit contre endroit, et celui qui va au-dessus, tissu endroit contre endroit. Ça donne ceci et ceci. Et on assemble sur la hauteur. On vient ensuite épingler la partie extérieure de notre rectangle avec l'extérieur du vanity, comme ceci. On va repousser le corps du vanity sur le côté et épingler la partie intérieure. Et vous obtenez ceci. On va piquer sur la hauteur. Une fois piqué, on retourne. Je place le corps du vanity à plat, je fais correspondre les coutures d'assemblage du dos, comme ceci, et je prends un repère ici et ici. Ensuite, je superpose les épingles et je prends deux autres repères. Ici, sur la partie haute extérieure, le morceau où on a posé la poignée, je prends également 4 repères et je vais placer comme ceci dans le sens de la largeur puisque cela va être un vanity ovale. L'épingle ici est à faire correspondre avec celle qui est au niveau du dos. Ici, avec celle qui est sur la face avant. On fait correspondre les épingles de côté. Pour ajuster au niveau des arrondis, il faut cranter le corps du vanity. Et maintenant, on assemble tout le tour. Alors, une fois assemblé, on va ouvrir. Comme pour la partie extérieure, on fait correspondre les épingles. On ajuste d'abord la première moitié.
On plie le corps et on le repousse à l'intérieur. Et on ajuste ensuite l'autre moitié. On obtient une galette. On va assembler tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm au niveau du dos, donc là où on a rentré le corps du vanity. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. On enlève toutes les épingles et on retourne. La partie dessus est assemblée. Vous pouvez refermer cette partie en faisant une couture à la main ou alors avec un point à la machine en piquant au plus près du bord. On va maintenant assembler le bas, donc on prend les repères. Et on assemble tout le tour. Et on finit par la partie basse intérieure. Alors on fait correspondre les épingles et on épingle sur la moitié. Ensuite, on va repousser le vanity à l'intérieur. On ajuste et on épingle l'autre moitié. Cette fois-ci, on obtient une grosse galette. On va assembler tout le tour comme pour le haut et laisser une ouverture de 10 cm à l'endroit où on a fait rentrer le corps du vanity. Une fois assemblé, on retourne. Il reste à refermer l'ouverture intérieure, comme pour le haut, par un point à la main ou un point à la machine. Une fois cette dernière piqûre faite, votre vanity est terminé. À vos machines!